expliquer à vous pour nous ce groupe là. Et puis, nous comprenons bien. Ok. Lorsque nous avons parlé de, ma point tout à l'heure, Victor, lorsque nous avons parlé de savon professionnel, eh bien, il s'agit des normes professionnelles aussi. Donc, normalement, pour faire un savon professionnel, il faut au moins élever le niveau. Hein. Parce que si nous voulons continuer à faire savon même avec tout l'autre monde, et nous, c'est comme si nous n'avons pas même besoin pour information ça. Parce que, et charger plein d'autres séminaires que nous connaissons suivre, et bien, ces milliers de parfois, nous avons du mal pour nous adapter nous ensemble avec eux, nous n'avons pas de résultat. Moi, j'ai fait formation, ça, c'était pour faire porter un résultat satisfaisant pour chaque monde qui était bénéficié de formation. Et même moi, dit pour ça arriver fait pour faire un résultat, nous avons ensemble des efforts que nous devons faire. L'effort que nous devons faire, c'est tout d'abord quelle capacité pour manœuvrer les recettes. Parce que moi-même, personnellement, je n'ai pas de recettes vraies. Justement partager quelques expériences que moi-même j'ai fait, mais recette c'est nous-mêmes après formation, si nous comprenons formation en vrai, et mais cap former recette pour contre nous sans que moi-même pas dit nous mais qui ça nous doit utiliser, parce que son formation qui est hautement scientifique. Donc normalement il est important pour que ou même cap prendre formation pour mettre à niveau, parce que il y a des petits calculs qui demandent, c'est pas un bagage qui est venu. Jean que qu'on a habitué faire aller acheter puis bleu brasser, non, c'est tout un calcul préalable qui doit fait. Et bien à propos de formation, nous venons là c'est pour nous corriger car tout le monde et bien qui était mal prend monde qui était fait expérience tout ça, nous venons là c'est pour nous porter éclaircissement pour yo, parce que moi j'ai gagné une dame qui était privée mais qui était en fait expérience, bon les grands tissus non qui c'est soso. Et alors, il était fait une mauvaise expérience, côté que il était à la pratique comme recette, mais c'est finalement sa volonté caustique non même. Mais l'aimant de l'information, il dit que c'est dans une entreprise qui était allé avec mes yeux, il m'a dit exactement vos mes yeux. C'est que me connaît pas vraiment une entreprise qui a capacité ça vrai pour bon et bien exactement matériel pour faire savon pour mais mesure voilà il pas tout à fait professionnel, c'est des mesures qui pas passer pour entreprise attaque à bon mesure professionnel, faut au moins t'as comme tout corps à utiliser pour faire savon. Et assurément généralement les noix l'acheter c'est quelques ingrédients acheter dans mes entreprises là. OK, donc moi je suis certain que ça va pour vous durer encore après nous fin tenter. Et bien dernière intervention ça qui m'a fait sous question savon nuit et m'attend de Victor. Ok, très bien ça. Ma vigne avec le poste là pour ou me ou me rappeler de la quantité de ce qui correspond avec la quantité de celle-là. Et en plus, tout le début, on a question de la fabrication d'avant. Il y a l'eau qui correspond avec la quantité sur le caustique. Ok, très belle approche. Merci beaucoup. Ma pour deuxième monde. D'accord, merci. D'accord, pas un deuxième monde qui a une telle intervention comme ça. On a les maptons de Wadley. Oui, bonsoir à tout le monde, comment vous allez? Bonsoir mon frère. Je suis déjà pour l'état, je suis déjà en Bailan. Je suis déjà venu ça dans l'espace qui m'y a, parce que c'est un objectif vraiment désagréable. C'est tout ça, les états de l'état, je suis obligé de vous capable de parler d'abord. Ok, question comme nous maintenant, nous pas adopté sur les états de bonification. Par rapport, comme je vous l'ai dit, si on vient du mal, les mal utilisés, on va utiliser l'huile, c'est-à-dire ce caustique, si on va utiliser deux huiles, c'est par rapport à la quantité qu'on a ajoutée pour chaque huile que nous avons
Ok, ok, moi t'as le chita, monsieur Wadley, et ou pas de toute provision ça dans la formation à soi. Si vous avez troisième monde qui pose une question, qui a une suggestion aussi, ou capable de dire jusqu'à avant de commencer. Si pas de monde, nous ne pouvons pas perdre du temps, nous allons aller bien rapide de façon à ce que nous allons faire un petit point que nous préparer pour nous partager ensemble avec vous à soi. Bien, pour commencer, et grand problème qui est en pile dans nous confronter dans la question et savon rien et après majorité monde c'est une question savon laver. Et alors moi te parlé de indice de saponification dans question savon. Moi dit qui ça qui indice de saponification, moi dit indice de saponification hein, c'est quantité soude yon moun besoin pour le faire yon l'huile tourner yon savon. Et ceci yon bon savon. Et quantité soud sa avec quantité l'huile sa doit peser en gramme. Vous t'avez qui ça me dit? Moi dit indice de saponification qui moi ka ban problème nan ki sa lié, c'est yon quantité soud. Et bien yon moun besoin pour le faire yon l'huile tourner savon. Konya la non seulement tourner savon, tourner yon bon savon. Yon savon qui pas caustique. Yon savon tout qui pas trop mou, ok? Mais quand même son savon qui professionnel, qui le tout le monde garde, eh bien, et après, c'est yon très bon savon lié. Et alors, na excusez-moi, mon monde là qui fait mon signal pour monter sur Mitlan, m'a voué le lien en bas, ça me dit qu'il pas connecté sur ce groupe là bien. Et normalement, m'a parlé de indice de saponification. Premier bagage qui doit monter dans tête nous, c'est quantité l'huile n'a besoin pour nous faire savon, pour nous faire c'est quantité soude n'a besoin pour nous faire l'huile tourner savon. C'est premier bagage. C'est premier bagage qui doit monter dans tête tout. Et bien lorsque vous voulez faire savon, c'est m'gagne tant l'huile, mais tant l'huile ça que m'gagne m'a peser en gramme. Ouais. OK. Et c'est peser l'huile ça en gramme. Bienvenue Pierre Mirancia. Bien. Et m'a prendre toujours pour que tout le monde bien saisit ça que dit. Moi dit depuis nous t'en parler des indices de saponification. Ça pas doit jamais passer dans tête nous. C'est yon kogra ki m genyen ou di mes 2 kogra ou di mes 3 kogra, mais kounya la indice ki sa di m li di m ki valeur soud kostik m'a besoin pou m fè kogra sa ki m genyen tourner yon savon. C'est premier bagay ki doit monter dans tête tout depuis t'a parlé des indices de saponification. Moi di depuis n'a pas d'indice de saponification, nous devons peser l'huile nous. Depuis que nous avons un indice de saponification, il faut que nous peser l'huile là. Et ceci, nous mettons la balance nous en gramme. Ok, parce que l'indice de saponification, c'est quantité de gramme de soude qui a saponifié ou qui a fait. Eh bien, l'huile ça tourne savon. Par exemple, si nous avons deux bidons d'huile, non même, deux bidons d'huile, je considère que c'est deux bidons d'huile d'olive. Non même m'a prend yon vaisseau moi mette sous balance là m'a retiré poids vaisseau hein, et puis m'a vidé l'huile là m'a mette balance là en gramme quantité gramme li pesé hein, m'a prend moi écrit dans yon feuille blanc comment pour on va dire moi pral produit savon ou pas gen cahier ou pas gen feuille dans mon ou pas gen plume dans mon ou dit moi son crayon ou faire je ti moun pou vle produit. Dès que vous parlez produit, faut qu'on écrit, faut qu'on fait calcul. Si vous pas fait calcul, ou faire un bagage qui pas respecté principe. D'accord? Même si vous avez une recette dans le monde, depuis ces produits, vous parlez produit, c'est pas recette là pour garder.
mais c'est est-ce que recette là a attribué avec production ou voulez faire hein? Est-ce que recette sont gagné qui écrit à attribué avec matière première que vous gagnez pour faire pour produire son bras faire et puis tout non seulement dans indice de savonification qu'on l'autre bagaille aussi doit attirer attention c'est pourcentage de saponification corps grâce à namon là c'est pas tout corps gagné c'est pas toute l'huile gagné qui saponifie à 100% n'après ça dans tableau que m'était partagé ensemble avec nous ce groupe là gagné l'huile et pourcentage de saponification yo c'est 2 à 6% gagné tout c'est 3 à 10% gagné tout c'est 10 à 30% gagné tout c'est jusqu'à 100% comme par exemple l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est un corps gras et bien qui a capacité pour saponifier à 100%. Donc non seulement nous devons mettre accent sur question qui quantité sous doit besoin pour saponifier telle quantité l'huile pour faire telle quantité de tourner savon, mais on doit tout mettre accent sur pourcentage de saponification corps gras parce que quand on corps gras dans mon corps gras on veut faire tourner savon mais corps gras ça il pas saponifier à 100%. Nicole ferme et caméra ou OK li pas saponifié à 100% qu'il y a faut qu'on connaît pourcentage de saponification corps gras ça c'est une raison qui fait moins partager ensemble avec nous et bien un document qui non seulement ban nous indice de saponification yo ban nous tout pourcentage que corps gras ça aussi va utiliser qui saponifié ça m'explique tout le monde clair dans ça bon exemple me dit si me gagne deux bidons l'huile dans même m'a prend un vaisseau moi mettre sous balance là n'a pas peser des bidons l'huile ça m'a pas dit des bidons l'huile ça moi le marquer 500 ml c'est 1000 ml lié non m'a prend l'huile ça mettre le sous balance OK mettre vaisseau sous balance là ou après n'a pas ça de côté pour retirer poids vaisseau pour rendre vaisseau pas peser rien pour seulement prendre poids l'huile là OK l'ofin prend poids l'huile là l'ofin retirer poids vaisseau vide l'huile là là-dedans et puis nous prend pral l'huile là. On a quantité gramme ça que on joine pour pral l'huile là. Pour me connaître par exemple débit de l'huile là il ba moi 1000 grammes l'aime peser. Lui exemple moi prend pas m'pas dit le ba 1000 débit de l'huile ba 1000 grammes non. Moi dit me prend débit de l'huile par exemple il ba 1000 grammes. 1000 grammes ça c'est 1000 grammes d'huile d'olive. Pour me connaître combien de caustique m'a besoin pour 1000 grammes d'huile d'olive ça tourner savon, c'est 1000 grammes ça m'a prend moi multiplier avec indice de saponification l'huile d'olive là tout le monde connaît là au tableau là mais qui dit indice de saponification l'huile d'olive là il égal à 0,134 OK m'a prend 1000 là moi multiplier par 0,134 et puis lorsque me fin multiplier par 0,134 réponse li ban moi c'est quantité gramme soude caustique m'a besoin pour et bien 1000 grammes l'huile d'olive. C'est-à-dire lorsque moi fais équation hein, OK, me prend 1000 la multiplié par 0,134, moi wel ba moi 134 grammes. C'est-à-dire l'aime gain débit de l'huile qui pèse 1000 grammes, m'a besoin 134 grammes soude caustique pour me saponifier 1000 grammes l'huile ça. Ça veut dire l'aime gain 1000 grammes l'huile, m'a besoin 134 grammes soude caustique. Je souhaite que tout le monde clair dans ça. Mais qu'on y a là, pour ça, vous avez posé question sur de l'eau. Et pour 134 grammes sur de caustique, ça, combien de l'eau m'a besoin pour me capable et bien fondre sur de caustique ça? C'est pas pour dire que c'est arrêté pour me dire, oh, ça me fait là, qui va aller de l'eau me mettre là-dedans? Non! Vous devez connaître qui sous doit utiliser. Sous de l'eau plus populaire sur le marché, c'est un sous qui est dans un sac qui est en forme de grain. Ta kouti grain sel fin li genye yon pourcentage de 100 de non de 99% OK sou caustique ça laisser dou gen nan mon wap servi ki sa dwe fè ou dwe di lò genye 500 grammes sou caustique règle a di nan livre te ban nou wap bezwen 1.5 litre d'eau. Ou a besoin de 5 litres d'eau pour capable et bien fondre 500 grammes soude caustique qui gagne un pourcentage de 99%. Qu'on y a là qui ça m'a fait puisque me connais lorsque me gagne un livre soude caustique qui égale à
500 grammes. C'est 1.5 litres. 1.5 litres égale à 1500 millilitres. Mettez la millilitres pour qu'on comprenne. Pour 500 grammes sous gosti. À 99%, moi besoin 1500 millilitres de l'eau pour me fournir. Et bien, est-ce que je vais avoir 134 grammes? Combien de millilitres de l'eau j'ai besoin pour 134 grammes? Et bien, je fais produit croisé. C'est là que je dis qu'il faut nous lever niveau. Je dis que j'ai 500, je vais avoir besoin de 1500 millilitres de l'eau. Et bien, j'ai 134 grammes soude. Je dis que 134 là, je multiplie par 1500 millilitres là, je divise par 500. Les ça, les vins fait équation ça, et pour du quoi c'est ça, les vins ban moins 402 ml d'eau. C'est-à-dire, pour, eh bien, 134 grammes sous caustic, m'a besoin 402 ml d'eau. Ok? 402 ml d'eau, c'est pour 134 grammes, eh bien, sous caustic, pour me capable saponifier 1000 grammes l'huile d'olive. Ça, je souhaite que ça clair dans la tête nous toutes. Là c'est comme si m'da dou ça voit est en fin fait là parce que vous gagnez de l'eau ou gagnez l'huile ou gagnez soude caustique li doit bon saponification qu'on y a là tout l'autre petit détail yo c'est des additifs que yo y et ça fait additif ça yo l'on pas ajouter yo ou pas doit dépasser 2% là-dedans. OK, c'est-à-dire si on pas ajouter glycérine, on pas ajouter foie gras, on pas ajouter l'huile essentielle sur table fait savon, savon, savon toilette. OK, on va pas ajouter ces essentiels yo, on prend tout essentiel ça yo et bien c'est yo là yo pas dépasser 2%. Pour qui ça yo pas dépasser 2%, c'est pour pas affecter et bien calcul ça se faire parce que yo même tout en pile là-dedans c'est quoi grave oui. OK, on souhaite que ça clair pour tout le monde et bien qui soumit dans la soya cap tendez et bien causer sous indice de saponification et quantité de l'eau que on doit mettre dans un savon exactement. Quand il y a un autre ami qui te pose une question, il te dit, Diclozo, et si je utilise la recette avec plusieurs huiles? Si je produis avec plusieurs huiles, il faut que je tenne compte de l'indice de saponification toute l'huile que je produis. En plus, il faut que je considère, et c'est pour considérer le pourcentage de saponification toute l'huile. Ça yo. Ouais? Non seulement faut tenir compte des indices de saponification l'huile ça yo wap utilisé ya, faut tenir compte aussi de pourcentage de saponification l'huile ça yo. Ouais, de voyez plus j'ai l'huile gagne deux bagages qui montent dans tête tout à qui pourcentage l'huile ça yo saponifié et qui indice de saponification yo. On va prendre exemple 3 corps gras avec nous bien rapide pour nous comprendre ça me dit. Nous gagne là l'huile cocoyer, nous gagne cire d'abeille, nous gagnons l'huile olive. Nous considérons ça comme 3 corps gras que nous pouvons utiliser pour me faire ça. Qui ça va chercher d'abord? Et nous allons chercher l'indice de saponification l'huile coco. Il y a mal dans le tableau. Je vais nous projeter. Je vais nous partager l'écran parce que nous avons un tableau tout nous-mêmes. Mal dans le tableau qui sous passe qui sous et bien groupe là. Les sous groupe là, les sous groupe là. Tout à l'heure, m'a prépartagé le bouquin jeune. OK? Ou aller dans le tableau, on prend l'indice de saponification de l'huile cocoya qui est égal à 0,190. On prend l'indice de saponification de cire d'abeille qui est 0,069. On prend l'indice de l'huile olive là, qui est 0,134. C'est 3 corps gras qui ont fait ça avant. Hein? On prend l'indice tous les 3. Après ça, on aller dans le tableau là, toujours. On prend le pourcentage de saponification. On dit cocoya li saponifié de 10 à 30%. Je dis si d'abeille li même c'est 2 à 6%. Je dis olive la li même jusqu'à 100%. Qui ça pourcentage ça vous voulez dire en émo? Pourcentage ça yo tout simplement vous voulez dire l'aime l'huile cocoyé c'est 10 à 30%. C'est-à-dire au-delà de 30% l'huile cocoyé elle vient pas qu'à saponifier. Mais 10% vous mettez minimum non? Ça veut dire c'est 10% ça qu'a pour ton valeur. Ouais, au-dessous de 10%, c'est comme d'ailleurs valeur à vin trop faible. Mais à partir de 10%, valeur à vin normal. Si d'abeille là aussi, je dis c'est 2 à 6%. C'est-à-dire au-dessus de 6%, il n'est pas saponifiable. 2% c'est valeur minimum capable de mettre là-dedans. Ok? Mais quand on a là, nous-mêmes, les nafs fait ça, on généralement nous considérons pour un moyen pourcentage. C'est-à-dire, je dis que le coco est
ça bonifie à de 10 à 30%. Moi dis 10 plus 30 li bay 40, 40 divisé par 2 li bay 20, 20 c'est moyenne nan. M di m ap mete 20% l'huile kokoye nan savon m nan. Si d'abè, 2 à 6%, 2 plus 6 ça bay 8, 8 divisé par 2 ça bay 4. Ça veut dire m ap besoin m ap pran 4% si d'abè. Olive jusqu'à 100%, c'est-à-dire olive la même si m d'apran 40%, m pran 60%, m pran 50% c'est normal. M pran 100% tout c'est normal. Mais étant donné que son mélange lié, si je prends 100% olive, et eh bien ça va me donner pas à 100%. Si ça me fait, moi je dis, vu que je prends 20% pour cocoïa, je prends 4% pour miel là, et bien je prends 76% pour olive là pour le cabaye 100%. Ma bon savon qui saponifie à 100%. Si ça me fait, je mets 20% cocoïa dans le savon, l'huile cocoïa, je mets 4% miel, m'a mettre 76% olive. S'il vous plaît, Jean Rosalène, fermez micro. Jean Rosalène, fais des endroits pour qu'on tout ferme micro. D'accord? Bien. Et pour moi continuer. S'il vous plaît, oui, Jean Rosalène. De l'autre monde qui fait monter yo. S'il vous plaît, fermez micro nous pour moi. Ok? Oui, pour continuer, lorsque je fin prend 3 catégories de corps gras à yo, je prends pourcentage yo qui ça m'a fait. Je souhaite que nous étions là attentifs pour nous bien saisir lorsque on saponifie plusieurs huiles ensemble. Tendez bien, oui? Tendez bien, oui, pays. L'emge 1000 grammes olive, li saponifie à 100%. Mais quand y a là, si me dit ma prend 76%, me considère même débit de l'huile ça me dégaine. Me considère même débit de l'huile ça qui me dégaine. Mais quand y a là, moi était de l'autre huile là. Quand y a qui ça me va faire dans débit de l'huile ça me va retirer, va retirer 20%. Va retirer 20% pour l'huile cocoïa. Balé tire 4% pour miel là, dans 100% l'huile d'olive ça me dégaine. C'est bien oui. Moi dis l'aime dégaine pour moi tire qui ça me fait. Me dis l'aime dégaine 1000 grammes olive qui c'était des bidons. Il était représenté 100% l'huile d'olive. Donc là si m'a prend 76% là dedans moi dis c'est 1000 grammes olive moi t'envers 100%. Et puis mettre 76% en bas 100%. Donc là m'a prend 76% multiplier par 1000 et puis me diviser par 100. Et puis lorsque je viens diviser le par 100, réponse moi je là la bonne quantité de grammes d'huile olive m'a prend qu'on m'a pesé l'huile olive là. M'a pesé 760 grammes d'huile olive. 760 grammes d'huile olive ça lui représente 76% dans l'huile olive m'a utilisé dans savon ça. OK? Qu'on y a là pour me connait combien pourcent 20% l'huile coco y a représenté. Moi dit si lorsque moi gagne 760 grammes olive li représente 76% et si m'gen 20% l'huile cocoïe combien grammes l'huile cocoïe la ba moi m di c'est 20% l'huile cocoïe a moi multiplier par 760 grammes l'huile olive là m divise par 76% l'huile olive là et bien réponse li ba moi qui c'est 200 grammes l'huile cocoïe c'est quantité l'huile cocoïe m'a besoin dans savon ça qui représente 100% qui représente 20%. Là il a mis 200 grammes d'huile cocoïe, lui représente 20% de la recette moyenne. Pour si d'abeille, il a mis 760 grammes d'huile d'olive, lui représente 76%. Et si il mettait 4% si d'abeille là-dedans, combien grammes de si d'abeille m'a mis? Il dit c'est 760 grammes d'olive là, moi multiplié par 4% si d'abeille là, moi divisé par 76% l'huile d'olive là. Les salibes moi 40 grammes. 40 grammes ça c'est quantité cire d'abeille que moi a metté dans recette savon nan. Comme conclusion, l'emgen 760 grammes l'huile d'olive, moi multiplier qui c'est quantité l'huile qui dans recette là, n'a pas me venir combien sous caustique moi le besoin pour mettre dans savon ça en fonction des plusieurs. Et bien quoi grâce à médium dit c'est 760 grammes sous caustique et 760 grammes l'huile olive là.
moi multiplié par indice de sa bonification d'huile d'olive là qui c'est 0.34. Réponse li ban moi hein, c'est à quantité soude m'a besoin et bien pour sa bonifier l'huile d'olive là dans recette là. Après ça moi dit plus 200 g l'huile cocoyer, moi multiplié par indice de sa bonification l'huile cocoyer qui c'est 0.90. Kounya là réponse qu'elle ban moyen c'est quantité gramme soude qui attribué à 200 g l'huile cocoyer ça qu'a saponifier l'huile cocoyer ça plus on prend 40 g sidabelle multiplié par indice de saponification sidabelle qui c'est 0.069. Réponse li ban moyen c'est quantité soude m'a besoin pour saponifier 40 g sidabelle. L'aime fait sommation de toute et bien chaîne d'opération ça qui m'était réalisé avec gramme olive, gramme cocoyer, gramme d'abeille et puis indice de saponification olive, indice de saponification cocoyer, indice de saponification si d'abeille. Mais moi joigne que pour 760 g olive là, m'a besoin 101.84 g soude. Plus moi joigne pour 200 g d'huile cocoyer m'a besoin 38 g soude posti. Plus 2,76 g soude caustique m'a besoin pour 40 g cire d'abeille que m'a multiplié par indice de saponification cire d'abeille là qui c'est 0.069. Et l'aime fait sommation de tout soude ça yo 101.84 g soude plus 38 g soude plus 2.76 g soude et ben li ba mon total de 142.6 g de soude. C'est-à-dire pour tous les trois l'huile ça yo que me mettez ensemble là li ba moins 142.6 g de soude. C'est-à-dire 142.6 g de soude ça c'est li m'a utilisé pour me saponifier tous les trois l'huile ça yo. Bref, nous wè yon différence qui gagne entre l'huile yo. N'a pou et aller à même 1000 mg l'huile que m'était utilisé pour m'était saponifier seulement l'huile d'olive là était égal à 134 g. Mais quand on les met trois l'huile ça ensemble, toute l'huile va prendre même quantité soude caustique ou après quantité soude caustique là li vinn pi fort malgré ces même quantité l'huile là puisque l'huile pas même ouais l'huile trois l'huile ça yo exige plus soude les 142.6 g. C'est pas parce que c'est trois l'huile non, c'est pas parce que c'est trois l'huile qui fait pas 134 g soude tout non, c'est parce que chaque l'huile ça yo une quantité de soude qui est capacité pour ça bonifier. Donc en conclusion, si n'a fait plusieurs huiles, n'a besoin plusieurs indices de saponification et nous pas besoin même quantité d'eau pour toute qualité l'huile. C'est-à-dire c'est 142.6 g sous ça qui va dire tout combien d'eau m'a besoin pour me saponifier tous les trois l'huile ça qui ça m'a fait m'a toujours prendre même ça me demande aller qui c'est 500 g soude besoin 1.5 litres qui c'est 1500 ml d'eau. Et bien pour 142.6, combien de l'eau m'a besoin? Et bien c'est 142.6 là multiplié par 1500, divisé par 500 g non, valeur ba moi c'est quantité de l'eau m'a besoin pour mettre dans savon ça. Donc moi espérer que tout monde clair à partir de jodi a pour question et bien saponification. OK, et kounya la m pral ban nou possibilité pour nous réagir à propos de tout ça me dit parce que m'espère que me répondre question tout monde là, tout monde qui te pose question yo monsieur certain que yo satisfait et me pral faire tout ça dépend de moi bien que me gonti problème technique là les pour me voyer et document ban nou voyez vraiment ban problème téléphone nan tellement chargé et il y a son autre téléphone pour me gagner pour faire travailler ça. OK, donc téléphone n'a vraiment chargé, c'est sur téléphone n'a me fait enregistrement yo vraiment chargé. Donc me confronter plus cette nous ca remarquer ça pour un petit temps pour que nous joindre document yo, mais m'espère que nous supporter travail là. Donc nous ouvrir micro nous moi-même m'expliquer tout détail là. Si on monde va le faire ça bon qui pas bon, moi pas responsable. Donc l'essentiel c'est maîtriser, retendre ça qui me partager là, m'a fait tout ça qui dépend de moi pour me faire nous joindre. Carré c'est là car nous on va faire photo toute démarche ça vous voyez bon nous sinon t'a manqué quelque bagaille pour nous ca bien saisir.
de façon à ce que pour personne monde pas dim yo te font savon savon acoustique gon grande bagaille m'pa parler de li là c'est sucre sage là qui fait m'pa parler de li c'est parce que m'connais nous bien comprendre ça sucre sage là sucre sage là en conclusion qui ça lié c'est l'aime vinn faire toute démarche ça yo et ben connait pour savon m'n'en pas acoustique pour m'pa remarquer savon m'n'en qui trop soud paraît sous li et ben m'la gon ti l'huile sous li ti l'huile ça yo dou ka mette de 5 à 11% là-dedans. De 5 à 11%. Moi-même, je te dis, en prend moyenne, nan, qui c'est 8%. Ok? Qui c'est 8%. Depuis que je fais calcul, je n'ai très facile. De moi, je fais calcul déjà, c'est très très facile. Merci beaucoup. C'est ton plaisir à soi pour moi être capable de présenter nous. Eh bien, séance ça sur éclaircissement sur question indice de saponification et la quantité d'eau nécessaire pour la saponification. Moi me parler bon bout de créole là pas personne qui va dire dit clozo c'est français de parler me pas comprendre. M'a tant réaction yo Victor gon question. Moko sorti zami. Victor Est-ce que ou pratiquer ou pas un résultat? Est-ce qu'on pratique ou pas un résultat? Non, ou pas besoin inquiéto, justement à pratiquer recette là ou pas un résultat, d'accord? Ok. D'accord. Et ma prend Jean Rosalen. Ça vous allez nous micro. Oui, c'est ça. D'accord? Qui est-ce encore des questions? Victor Chevry, chéri, Victor Chevry, m'attendo. Oui, comment c'est pas avoir une question de madame se poser. Là, vous dites que c'est pas la soupe même, mais en plus là, en réalité, mais quand il y a l'engagement professionnel, là, quelque chose, c'est normalement dit, on va là, dans le cas de balance, on va parler, on va dire ok, d'accord. Si c'est pas dans le même mois, justement, du besoin balance pour produit. Pour produit. Identifier produit ou faire. Il y a pas bah, où. Ok, ok. Mm-hmm. Bonsoir, monsieur Ticlozo. Bonsoir, chère madame. Bon, c'est Théodore. On est toujours dit en la boîte, je vais pas la ligne. Ça qui passe, ou pas de gain horaire. Seulement parler okay. Et à tout de suite là nous fin descendre sur mitlan là m'a okay. Partager m'a tout faire photo des matchs ça m'd avec qu'est-ce mon encore mais si pas gagne mon moi m'a lever même moi et bien ceci qui montre que tout le monde satisfait et c'est un plaisir pour nous te faire mit ça soir. Et moi souhaite que personne monde et bien parler le téléphone pour dire Diclozo
me fait savon, savon acoustique, c'est formation langue pas de bon. À quoi nous t'as dit comme ça, tout nous t'as dit que vous qui glissez? Parce que faut que moi dis nous ça clair, formation ça moi pas faire selon moi-même, pas faire selon expérience moi. Moi faire selon expérience yo. Son bagage scientifique lié, m'rete nan norme scientifique yo. Ça ka toujours rivé, ça fait même pas trop rien partager recette. M'ka justement font expérience moi jour, mais telle expérience moi fait, ou ka fait expérience lan tout parce que moi formé pour faire et savon quel que soit dans pays où t'apparaît, si c'est pas que personne qui va dire mon chauffe font savon qui bail problème. M'bata de non Pierre Mérancia, ou t'es en retard, hein, ça. Pierre Mérancia, Pierre, ou t'es en retard, moi, va dire, hein. M'attends de oui, John. Moi, salut tout le monde qui a une information spécialement et coach et close. Et moi, je songe que moi, j'ai suivi une formation que vous avez fait, ou t'es pas allé pour sous savon lavé. Alors moi en retard, je ne sais pas si je suis en retard. Pas gen tout l'autre son. Non, poko. Pas gen tout l'autre bagay yo. Mais kounya la sa yo, yo utilise yo comme additif. Mwen te di kon sa, lo ap utilise produit sa yo pour pote résultat en plus. Ou ka utilise yo à 2%. Pas dépasser 2%. 1 à 2%. Ok, si wap mette sel nan savon, mette yon à 2% sel. Yon à 2% chic. D'accord? Ok, merci. J'ai appris de l'expérience celle-là, même fait celle-là avec la composition de la vie. Je vais vous dire, parce que même moment je vais faire si ouais même moment je vais faire si mettre trop sel ou après le salé laisse à l'homme je mange ça va boire un peu de l'eau même on la bouille va faire si mettre trop sucre là-dedans la trop douce c'est que c'est avec problème les consommer à diminuer qu'est-ce qu'a parlé là Pierre Mérand, ça a été un problème pour monter. Mais on va pas dire rien, non, parce que tout bagaille, là seulement ma prié nous en grâce. Les partager, nous pas prendre au sérieux en côté. Tout garder, yo, vous nous maîtriser, yo, de temps en temps, vous êtes sous yo. Ma partager ni sur WhatsApp là, ni sur Telegram. Sur WhatsApp là, vous avez perdu, sur Telegram là, vous avez perdu. Oui. Oui. D'accord? Certificat en savonnier déjà presque prêt là et seulement visualiser là pour me rester tout bagay OK et puis mettez sous yo mettez signature pour nous ka joindre yo d'accord? L'autre là après m'a bay savonnier avant. D'accord. Et pendant Fada nou nan mit nan la mka tou fè nou wè, wè bam tou fè nou wè nou. Oui, fè nou wè.
Alors même document envoyé soumis même pas j'aime ka ouais. Eh bien, wap tout là son passé. OK, nouveau certificat. Ok, donc ça c'est certificat nous. Ok, et ma banne nous, si nous gagnons vision pour nous imprimer, et parce que j'ai ma banne sur Telegram, nous avons toujours conservé sous forme PDF. Et puis, si nous avons imprimé, nous avons imprimé sur Bristol, en couleur, puis nous avons sorti Jean qui m'a envoyé le banne nous, d'accord? Oh, oui, on va nous sortir. Mais pas en papier. Exactement. On dit moi sous forme document. OK. Mm-hmm. Et ça c'était ancien certificat, donc te konn bay moun yo. OK, mode update bagay yo. Wan. Ça son format. Oui, ça son formation m'te fait et m'te fait un côté que on a ville 12 devel sous peinture à l'eau peinture à l'huile. Qui est Eh bien, ma réponse tout à l'heure. Et c'est un plaisir, oui, mais c'est que. Okay. Parce OK. D'accord, ça va? Tout le monde OK? Je vais aller à Konya, oui? Moi, manque réagir sur le groupe WhatsApp là. Comment? Nous manquons de réagir sur le groupe WhatsApp là. Au revoir.